Alors, donc là, nous avons fait Jean-Marie Lombertin, secrétaire général à la CGTG. Et expliquez-nous, expliquez le peuple là, qui est connecté avec nous là, qu'est-ce qu'il a fait que vous là? Non, en fait, bon, nous savons, Gaby Clavier est déjà passé devant le commandant de la gendarmerie et il y a une convocation pour Jean-Là à 8h. Mais nous avons fait un passé, mais qu'est-ce qu'il fait? Mais faites-nous comprendre que derrière Gaby Clavier, c'est tous les dirigeants, tous les militants, tous les anonymes, tous les syndiqués et non-syndiqués qui ont convoqué là. Et nous qui soutiennent Clavier, mais nous qui soutiennent la réalité. Et c'est important qu'elle nous présente. Alors nous assistons à des provocations, alors que Gaby convoqué, les organisations du collectif là, demandé à venir en masse, nous avons vu que des directeurs des cliniques, de certaines associations, des hôpitaux, présents là, comme quand il a resté préféré la réalité. Et que nous avons dit sans provocation. Provocation parce que ne peut pas admettre qui gens, des gens qui viennent tranquillement, parer en bon pied en l'ombrage, et qui viennent attendre devant le tribunal là. Alors qu'il y a affamé des familles, il y a affamé des groupes de familles, parce que derrière un agent qui est suspendu, qui n'a pas ni salaire, c'est des petits mouns à foyer là qui n'ont pas ni manger, mais c'est aussi des tontons, des nivets, des cousins qui sont dans la précarité, qui n'ont pas aidé. Et que si les gens ne pas comprendre ça, ils ne pas vivre en pays là ça. Et donc c'est, à part de dire que tu es monde qui crime, ça les directeurs qui mettent en application sont crimes de masse. Par rapport aux agents qui suspendent. Et donc, c'est pour ça que nous là. Et nous, quand il va rester parmi nous là, alors que nous soutiennent Clavier par rapport à la répression, et nous soutiennent nous-mêmes par rapport à la répression. D'accord. Et à partir de la présidente, qui position a, nous voyons qu'au niveau à ces membres-là, nous ont demandé pour débarrer, pour baisser les feux, aller tuer un barrage, qui j'ai encore analysé la situation là avec nous. Yo logique à yo, y'a les moyens qu'elle nous panique, donc automatiquement, nous avons levé les barrages et y'a levé tout le terrain pour le moment. Mais ça nous a dit, c'est qu'elle fait depuis à présent nous essayons de réfléchir. Nous, ni moyens qu'elle nous répond. Premièrement, si les directeurs ont dit nommé non là, ils ont dit nommé là. C'est directeur là, ça a fait soutien côté là. Tout le travail de famille là. Et comprendre que là, on voit côté là, on est les directeurs là. Et que les travailleurs qui pensent être tranquilles parce qu'ils n'ont pas de travail, parce qu'ils n'ont pas répondu à l'appel à la grève, ils sont tranquilles aussi, bien au contraire. Ça veut dire qu'ils font 4 fois plus qu'ils sont là qui est mouvement là. Donc nous avons dit que nous venons, ce qui tente, nous allons contribuer à ce côté. Deuxièmement, il faut nous répondre via le collègue. Voilà beaucoup qui remettent en cause la convention collective d'hôtellerie. Pas ni 13e mois à compter du 12 février 2022. Pas ni prime de transport. Pas ni prime d'ancienneté. Pas ni grille de classification. Bref. Nous tout unis et que nous privons qui le compte du travail et que Bouglas a parlé pour dire qu'il y a un dialogue social en pays là ça, qui a trompé fortement. Et nous avons dit tout travailleur qui est conscient, qui est déterminé, qui ne veut pas perdre, on se sent massé ça yoni, mais bien gagner d'autres. Et bien ça a passé par que nous avons un jeune collectif là, qui a discuté pour mettre un mouvement. Et ça nous a dit. Donc, et nous pouvons en même temps répondre à l'attaque du gouvernement de la Mordée contre nous par rapport à la répression. Tout combat allié, il y en avait l'autre. Les petits, ça a bien dit, les travailleurs, oui, les chômeurs, les retraités, mais tout ça qui est petit. Si nous voulons tirer bien nos souliers, faites-nous regrouper nous en masse pour nous frapper en masse. Donc, et au niveau à la jeunesse, qui j'ai encore vu, ça a présenté pour la jeunesse. C'est ça que nous devons comprendre. À part au cours de ce jeune avis de faire. Et ça lié avec les décisions qu'ils prennent. Ils ont dit, nous avons dit des chiffres, plus de 1000 morts. Pendant 1000 morts, là, il y a des gens qui tenaient en retraite intéressant, le salaire intéressant, c'est pas de quoi la retraite. On sait que ça, et même les aïeuls, voire les bisaïeuls, ils ont déjà nourri plusieurs générations. Ils ont déjà nourri Timounaïo, ils ont déjà nourri Petit Pisaïo, ils ont déjà nourri des familles entières qui sont au chômage, qui ont géré ça. Ils sont morts. Nous avons payé le droit de succession pour mettre en place par les notaires pour faire ça, il n'y a pas de pays. Et bien c'est tout ça qui a créé cette situation-là. Et quand on dit l'autre jour, il n'y a pas avant qu'il n'y ait pas la rivière, il n'y a pas avant de crabe, il n'y a pas avant de palout. Et encore, moi, c'est pour un peu la guille là. Donc le résultat, nous avons une bombe sociale là. Et expression à ces jeunes-là dans les mouvements, c'est ça. Si vous ne faites pas comme ça, il n'y a pas avant un pays là, ça va pas être dans le pays là. Ça. Et nous, quand on dit l'appel, rassembler tout ça.
avec situation à licenciement, bas salaire, précarité, eh bien, ça nous a vivre là. C'est un début de commencement. Donc, contrairement à ça, mon cas dit, il y aurait ça à juguler, il y aurait ça à supprimer les barrages, et qu'il y ait une vie normale, ailleurs, mais une vie normale, parce que toutes les collectivités, il n'y a pas de l'argent fonctionné, il y a augmenté l'impôt sur nous, et ni moins ce monde qui est capable de payer. Donc, nous avons, contrairement à ce qu'on a demandé qui est, mais nous savons, nous dans le vrai, c'est mouvement que nous avons dit. Et nous avons dit bien collé, à un moment, nous avons posé pour l'autonomie, encore moins de l'indépendance dans quelle revendication nous. Si il voyait un côté, et ça veut dire l'école des tableaux. Mais ça nous a dit, c'est que le gouvernement il veut faire diversion. Diversion, c'est le combat là, et c'est les revendications. Mais nous avons dit, nous savons dans quelle nous voulons, et nous savons là nous payer. Et en vrai, que les techniques de petites réunions qui fait à gauche, à droite, vers les élus, vers les jeunes, et enfin deux ou trois jeunes, et en vrai aussi que les jeunes à l'université qui ont tiré un document qui a dit qu'ils ont aussi. Et qu'en pensez-vous de tout ça? Un panier élément, c'est tous les jeunes qui l'ont là. Bon, pour l'université, moi, quand j'ai Annie, 56 ans, l'antenne 18 ans, c'est une organisation à jeunes. Jeunes étudiants lycéens, ils tiennent la rue là. C'est là, pas la rue là. Ils peuvent même faire un début de marche. Avant qu'ils ont pu goumer réellement, le gouvernement n'a pas qu'à rien comme ça. Si vous ne pas goumer, si vous ne pas payer le prix, vous pouvez gagner en mède. Donc, quittez-vous, aïe, voir les élus politiques. Ils ont réglé pour ma jeune 2, mais l'enseignement peut régler. Ils ont réglé parce que c'est une action de masse pour mener, pour échouer l'argent là. Pour l'argent là, c'est arrêter les gros qu'on vient pour les lits. Pour nous pénir, pour nous faire ça, nous y a fait, et pour une service publique de qualité. Or, ce n'est pas le cas. Donc, impassable. Mais ça, dit en ça, c'est que nous, collectif, collectif là, nous, une organisation, plusieurs, qui cisaient, qui posaient des revendications, et nous, pas attendre de réponse. Donc, réveillez entre les gens qui ont fait, ça, c'est pour le maillot. Mais ça, ensemble, c'est qu'en moins d'une démarche collective, avant une démarche individuelle, et une démarche collective, elle est plus forte que une démarche individuelle. D'accord. Ok, merci.